bienvenue à une autre vidéo de review de biscuits avec Spoken et Ryan. Alors, deuxième épisode. J'ai 4 ans, monsieur. T'as 4 ans? Oui. Parfait, ça. J'ai 4 ans. Donc... 4 ans. 4 ans. Papa, il a quel âge, lui? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Ok. Je l'ai dit-tu? J'ai 5. J'ai 5 ans? Oui. Ok, j'ai 5 ans. Je suis un petit peu plus vieux que toi, hein? Oui. Bientôt, tu vas me rattraper. Oui. Ok, parfait. Mais deux... tu m'as déjà attrapé, hein? Tu m'as déjà attrapé, oui. 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 Donc aujourd'hui, deuxième vidéo de review de biscuits. Et comme j'avais expliqué dans la première vidéo, on va commencer avec une série incroyable de biscuits Oreo différents. Parce que j'ai fait des folies puis j'ai acheté pour genre 50$ de biscuits Oreo, si c'est pas plus que ça même. Aujourd'hui, on va regarder les biscuits Oreo gâteau d'anniversaire. Donc, biscuits Oreo à saveur de gâteau d'anniversaire, birthday cake Oreo, qu'on va regarder. Et c'est Ryan qui a choisi le biscuit pour aujourd'hui. Quand j'ai dit lequel tu veux goûter aujourd'hui, il a même pas regardé dans toutes les sortes d'Oreo, il a juste dit gâteau de fête. Donc, on est allé avec gâteau de fête. T'es prêt à commencer, Ryan, à goûter ce biscuit-là? Oui. Parfait, ok. Donc, l'emballage Oreo gâteau de fête en format petit. Donc, on va l'ouvrir. On va mettre ça sur le côté comme ça. C'est toi qui l'ouvre? Parfait. Donc. Santé, pouvoir de Hulk! Ok, attends un peu, on les laisse là. Premièrement, oh! Ça sent. Là, on a ici, c'est pas aussi beau qu'on l'aurait espéré. Oui, ok. C'est pas aussi beau qu'on l'aurait espéré. Les biscuits sont un peu décalés. Il y a comme un. On dirait qu'il manque des biscuits ici. Mais ils sont quand même intacts. Ils sont pas trop maganés. Sent-tu bon? Oui. Oui, ok. Tu me disais non avec ta tête. Donc, ils sont pas trop maganés. C'est pas si pire. Puis je vois que. Première vue, je vois qu'il a l'air d'avoir plus de crème que normal, que dans un biscuit Oreo original. Ça sent vraiment bon, ça sent? Bonbon! Ça sent un peu les bonbons surettes. Des bonbons! C'est un mix intéressant avec le chocolat. On a hâte de goûter avec à ça. Le chocolat? Ouais. Fait que toi, tu trouves qu'ils sentent bon aussi? Mm-hmm. Est-ce qu'ils sont beaux avec toutes les petites couleurs là-dedans? Oui. Ouais, hein, c'est beau les couleurs. Oui. Est-ce que t'es déçu qu'il manque des biscuits ici? C'est pas grave? Ah, un petit peu? Ok, bon, ok. Donc on va les remettre sur notre socle. Ce n'est pas du tout un pixel stand. Parfait. On en prend un chaque. À toi l'honneur. Parfait. Et on va... Miam, miam, miam. Chiner. Il sent bon, hein? C'est vraiment particulier. Il sent comme les biscuits surettes. Les bonbons surettes. Parfait, on va prendre une bouchée. Ils sont bons? Non. C'est bon? Oh, attends, il confie. Cassé. C'est surprenant. Ils sentent plus qu'ils goûtent. Il est cassé. Il est cassé, ça casse tout le temps les Oreos quand on en mange. Hein? Il sent plus les bonbons surettes qu'il goûte les bonbons surettes. Et quand même, c'est quand même bon. Oui, c'est quand même bon. C'est quand même bon? Oui. Est-ce que tu préfères celle-là ou l'original jusqu'à présent? Oui. Tu préfères celle-là? Ok, parfait. Là, c'est le moment qu'on va chercher du lait pour tremper les biscuits dans le lait. Alors, je te laisse divertir la foule à la maison pendant que je vais chercher le lait dans le frigidaire. Donc, t'as dansé? Oui. Parfait. Donc, on a notre mini pot maçon officiel des reviews de biscuits qu'on ouvre à l'instant. Je vais tremper, attends. Ouais. Je vais manger lui. On va le tremper? On va le tremper? Ok, mais après on le trempe. Ok, finis ta bouchée. Ok.
C'est bon? Ouais. Ok. Oh, tu te rappelles comment qu'on trempe? Chin. Un, deux, trois. Un, deux, trois! Mmh. Mmh. Tu vois? Le goût de... Ouais, le goût de gâteau, il ressort plus avec du lait parce que ça atténue un peu le chocolat du biscuit. Donc, le goût du gâteau ressort un petit peu plus. Il est encore pas aussi fort que l'odeur. L'odeur est vraiment comme... Ça sent comme si tu sentirais un sac de jujube surette. Mais quand tu manges, ça ne fait pas tant que ça. Yeah! C'est bon. Il est sorti, hein? Oui. Est-ce que c'est meilleur avec du lait ou sans lait, Ryan? Sans lait. C'est meilleur sans lait? Pas un fan de lait, lui. Parfait. Donc, on va essayer. On va trouver les façons originales de manger les biscuits. Donc, avec l'Oreo aussi, on va faire. Je vais te donner. Avec l'Oreo, on s'appelle, on va faire le twist test. On twist l'Oreo. Pour séparer. Oh, il a pas très bien twisté celui-là. Il y a comme la moitié. Ouais, je vais t'aider, ok? Attends, on va le faire ensemble. Twist comme ça! Oh, il y a un petit peu mieux twisté, toi. Montre-le à la caméra. Il y a un petit peu mieux twisté, mais encore là, on voit qu'il y a, une bonne couche qui est restée. Donc, on va prendre les deux qui en ont le plus dessus. Donne-moi celui-là. On va prendre les deux qui en ont plus dessus, puis on va les mettre ensemble pour faire un double stuff. Donc on a un double stuff, mais vu que c'est un peu plus gros que l'original, c'est en partant... C'est comme mes dents. C'est comme tes dents? Oui. Ok. vu qu'il est plus épais que l'original, ça fait un genre de 2.5 stuff peut-être. On goûte? Vas-y, je te laisse la première bouchée du double stuff. On va voir si ça goûte un peu plus le gâteau d'anniversaire. En fait, oui. Mais est-ce que le chocolat va encore un peu trop enterrer le goût? Je pense que Ryan est brisé. Non. Tu vois, même avec un double stuff, ça goûte pas tant. Ça goûte différent de la crème originale d'Oreo, mais... C'est pas mauvais, mais il manque un petit quelque chose. Une petite affaire fade. Donc, on va y aller pour la note. Est-ce que tu l'as aimé, ce biscuit-là? Ouais. Genre beaucoup, beaucoup, un petit peu... Un petit peu. Un petit peu, parfait. Moi aussi, je l'ai aimé un petit peu. Je vais aller pour un 3 sur 5 pour... 3 sur 5! Pour le Oreo saveur gâteau d'anniversaire. Donc, on se revoit pour une prochaine review. Je vais encore laisser Ryan décider quel biscuit qu'on va... quel Oreo qu'on va review pour le prochain épisode. On se revoit à la prochaine, Ryan. Parfait. Bye bye.